choc maintenant. Ok, on coupe entre la caillasse, on passe entre petit B et grand B, d'accord? Mais t'es malade, c'est hyper dangereux, tu sais bien qu'il n'y a pas de fond. Si, il faut prendre le risque là, c'est marée montante, c'est notre seule chance, vieux. Putain, mais il est cinglé, il va s'échouer là. Non, choque-le, Alba. Qu'est-ce qu'on fait, nous là? Le bordel, il remonte. Bon, on va virer après le bureau, ok? On sera sous le vent, on aura priorité, on va les avoir, ok? Vas-y, bord, on passera jamais. Choc. Au revoir. Ok, c'est bien. Bord. Je te connais, t'as toujours eu la peur de ta vie. Mais moi, je suis fière de toi. Non, mais t'as été génial. Fais-lui enfiler les chevilles, toi. Bon, ils m'ont pas attendu pour ça, hein. Oh. Il est pas là, papa? Mais il a été retenu à cause de son travail. Bah, te fatigue pas, il a pas voulu venir, c'est tout. Et... Joël, je voulais te présenter une copine, c'est Charlotte, elle est journaliste. La presse, déjà, bah, c'est la gloire. J'aimerais écrire un article sur vous. Je vous ai vu arriver, vous êtes un barreur hors pair. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, une exclusivité? Je savais bien que je finirais par te trouver ici, toi. Franchement, ça pouvait pas attendre, non? Le jour où ton père va... Mais je sais, j'y allais, maman. Eh bien.
N'empêche que filer du fric à un pêcheur pour qu'il coule son bateau, moi je trouve ça dégueulasse. Mais bon, t'iras alors expliquer ça à Bruxelles. Combien il en reste qui arrivent encore à vivre de la pêche? Tu peux me le dire? Il y en a. Oui. Tu peux les compter sur le doigt de la main, oui. C'est pas vrai, il y en a. Ce qu'il faut espérer surtout, c'est qu'il n'aille pas changer d'avis au dernier moment. Ma soeur! Non mais à l'aube, dans les creux de 6 mètres, on a galéré. Oh là là là. Moi je les avais à zéro, franchement. Il y a des moments où tu te demandes ce que tu fous là. Puis tout d'un coup, t'as le soleil qui apparaît derrière une vague, et là tu te crois invincible. C'est super fort comme moment. Cette victoire, ça va te ouvrir des portes. C'est quoi tes projets maintenant? Mes projets, prendre un bon bain. Et pas dans la mer, hein. Non, sérieusement. Bah sérieusement, encore quelques régates et puis une transat. Et, la route du Rhum, par exemple, pas dans les derniers. La route du Rhum, pourquoi pas? Patricia! Mais attention, parce que moi aussi j'y serai. Bah j'y compte bien. Eh, bravo. Merci. Franchement, tant qu'à être battue, j'aime autant tes sauts par toi. Vous êtes Patricia Guilvic? Oui, pourquoi? Je voudrais savoir, quel effet ça fait d'être battue par un inconnu? C'est qui celle-là? C'est Charlotte, elle est journaliste. Ah. Et tu sais quoi, en attendant la transat, je me suis inscrite au trophée Charcot, j'espère que tu y seras. Ben, il y a intérêt, mais il faut que je me trouve un bateau d'ici là. Oh, mais tu vas y arriver, ce serait trop con que tu sois coincé pour une bête question d'argent. L'argent, ça se trouve toujours, hein. C'est pas comme le talent. Je te le fais pas dire. C'est pas de ta faute, Colliné. T'es un bon marin. Thank you.
finissez, Jean-Jacques. Ça l'a encore refait, comme la dernière fois, au moment où on le remontait. Ils sont pas adaptés, et quand on perd le poisson, c'est notre part qui saute. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On ne va pas revenir aux anciens chaluts. C'est une question de rentabilité. Oui, mais si à chaque fois on le déchire... Eh ben, il faudra plus que ça se reproduise. Allez, hop! Excusez-moi, j'ai été retenu. Encore des problèmes avec les nouveaux filets. Et bien évidemment, il a fallu que je m'occupe de tout. Tout seul. Oui, mais je verrai ça demain. C'est aujourd'hui qu'il fallait être là. J'avais posé 3 jours de congé comme n'importe quel employé. T'es pas n'importe quel employé. Aujourd'hui, j'avais besoin de toi. Bah désolé, il se trouve qu'aujourd'hui, j'avais autre chose à faire. Mais t'es pas au courant, bien sûr. T'es le seul dans la ville, d'ailleurs, à pas être au courant. À faire semblant, plutôt. N'allez pas commencer, pas ce soir. Il a gagné le prix Surcouf, papa. Et en plus, il a battu le record de la régate, tu te rends compte? Ouais, c'est tombé, il s'en fout. De toute façon, ce que je fais de mes loisirs et de mon fric, ça me regarde. Quand on est à la tête d'un armement, il y a pas de loisirs. Non, c'est pas moi qui suis à la tête de l'armement, c'est toi. Moi, je suis juste là pour te servir de l'arme. Je crois pas que j'y resterai longtemps, hein, j'en ferai jamais mon métier. Avec quoi tu comptes vivre? Bah, je me débrouillerai, y a pas que l'armement dans la vie. Mais t'as raison, ouais. Et débrouille-toi. Seulement, faudra plus compter sur moi pour t'entretenir. Bah, ça tombe bien, je compte partir habiter ailleurs. Ne fais pas les yeux, Joël, où vas-tu? Faut toujours que tu le cherches, toi aussi. Tu ne peux pas faire un effort de temps en temps, non? Mais t'es pas croyable, toi. Il fiche le camp de la maison en plein milieu du repas, et c'est moi qui devrais faire des efforts? J'en aurais fait le quart à son âge. C'était une autre époque, ça n'a rien à voir. En effet, on passait pas nos journées à faire le guignol sur des coquilles de noix. Excuse-moi. Mais avec toi, il pourrait faire n'importe quoi, tu le soutiendras encore. Absolument. Si c'était sa passion, oui, je le soutiendrais. Et j'aurais bien raison. Ma passion? Alors qui est-ce qui fera tourner l'armement après moi? Tu peux me le dire? Et moi, je compte pour du beurre. Quoi, toi? Tu m'as jamais proposé de travailler à l'armement. Il n'y a jamais eu de femme dans l'armement, c'est pas un travail pour elle. Ah bon? Mais pourquoi je fais des études d'océanographie alors? Tu peux me dire? L'étude des mouvements migratoires des poissons, le renouvellement des espèces, à ton avis, ça n'aurait pas quelque chose à voir avec la pêche? La pêche au large n'a rien à voir avec tout ça. La pêche au large, c'est une histoire d'homme. Pardon? Rien, je parlais des dinosaures. Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Il n'a rien trouvé de mieux que d'aller se bourrer la gueule. Je me souviens quand on a cassé la bouteille sur la coque, on l'a mise à l'eau. Là, je l'ai bu. Comme si t'étais le seul à couler ton bateau pour toucher la prime. Et les autres, alors, comment ils font? Ils vont tous s'écrouler au fond des bars? Arrête, maman. Et c'est pour toi que je touche la prime. Mais j'en ai rien à fiche de ta prime. Tu la boiras comme le reste. Tout ce que tu touches, tu le bois. Je suis couché. C'est ça, oui. Mais dehors. Dehors. Tu reviendras quand t'auras cuvé. Allez, dehors. Arrête. Tu rentreras quand t'auras dessoulé. Arrête. Dehors, je te dis. Arrête, dehors, je veux plus te voir. Arrête. Dehors. Dehors, je veux plus te voir. Mais je veux pas. Dehors. Mais je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux dormir là. Tu reviendras quand t'auras cuvé. Dehors, je veux plus te voir. Non, je suis fatigué là. Vraiment. Ouvre la porte. Maman, donne-moi la clé du garage. Non, il ne rentrera que quand il aura dessoulé. Oh, tu vois pas qu'il tape le scandale dans la rue? Je m'en fiche des voisins. C'est pas la première fois qu'il le voit dans cet état. Donne-moi la clé, il dormira sur le matelas. Demain, ça ira mieux. C'est ça, demain, il m'offrira des fleurs pour s'excuser, comme d'habitude.
Mais tu crois pas qu'il avait de quoi craquer aujourd'hui? Le jour de mon mariage, il avait de quoi craquer aussi? T'étais ivre mort, si tu veux savoir. Et moi, comme une gourde qui m'était dit qu'on n'allait pas s'ennuyer. Servan, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Ça a pas l'air d'aller. Si. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vais m'installer ici quelques temps, Jacques m'a refilé la clé. C'est engueulé avec mon père, toujours la même histoire. Il supporte pas déjà que je monte sur un voilier, alors la compétition. Je suis vraiment content de te voir. Qu'est-ce que tu fais? Je veux passer la nuit avec toi. Je crois pas que ce soit une bonne idée, ça, Servan. Je t'aime. Je dors plus la nuit, je pense à toi tout le temps. Ça fait des mois que ça dure. T'es l'homme de ma vie, j'en suis sûre. Non, fais pas ça, arrête! Tu comprends pas? Je veux faire l'amour avec toi. Servan, t'as à peine 18 ans, je parie que tu l'as jamais fait. Justement, je veux que ce soit toi. Mais on n'a jamais parlé de ça avant. D'accord. Parlons. Mais ça se fait pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu m'aimes pas? Mais bien sûr que si. Non, mais pas comme je veux. Tu me prends pour une môme, tu m'aimes comme une môme. Non, justement. Mais je veux pas qu'on fasse n'importe quoi. Tu me trouves pas jolie? T'es bien plus que jolie. Ce soir, il vaut mieux que tu rentres chez toi. Tes parents, ils vont flipper. Mais on se voit demain midi, si tu veux, on déjeune ensemble, tu passes me prendre à leur maman. Je peux passer chez la cantine. Eh ben, rendez-vous au Café des Arts à 6h. D'accord. Servan, on a tout notre temps. Non, mais ce qu'il faut, c'est que tu grattes partout. Rien laisser parce qu'au bout d'un moment, ça va courir. Voilà. Ouais, comme ça. T'es venu vérifier si je bossais, c'est ça? Je sais très bien que tu bosses. Écoute, ça peut arriver de s'engueuler, mais c'est pas une raison pour déserter la maison. Ta mère s'inquiète. Bah, j'irai la voir, je lui expliquerai. Comme tu voudras. Écoute. Je voudrais que tu saches que ça me fait plaisir de t'avoir ici. Avec moi. Joël ? C'est pas un endroit pour donner ce genre de rendez-vous. Ici, c'est un lieu de travail. Bonjour. Salut. On m'a dit que je pourrais te trouver ici. J'ai une surprise pour toi. Enfin, une petite. C'est mon article. Bonjour Luc, est-ce que vous avez ce que je vous avais demandé? Oui. Voilà. Et un capitaine m'a fait ça de façon un peu empirique, mais je pense que c'est fiable à 80%. Là, en rose, vous avez les zones où la lotte a quasiment disparu. C'est bien ce que vous cherchiez. Puis j'ai fait rajouter les zones de pêche protégées et les nouveaux quotas par espèce. Génial, c'est exactement ce qui manquait pour mon mémoire. Merci Luc. C'est rien.
Ça me fait toujours plaisir quand je peux vous rendre service. Puis ça me donne l'occasion de vous voir. Merci, c'est gentil. Ça vous dirait de déjeuner avec moi un de ces jours? Pas aujourd'hui, parce que je n'ai pas le temps, mais... Si, si. J'ai pas besoin de vous avant le milieu de l'après-midi. Vous pouvez aller déjeuner ensemble. Maintenant, tes concurrents du Trophée Charcot, ils savent à qui ils ont affaire. Ouais, mais faut déjà que je me trouve un bateau, un sponsor... Je crois que j'en ai trouvé un. Qui ça? Mon père. Tu peux me le présenter? Attends. Il faut d'abord que je lui en parle. Servan, on n'avait pas dit à ce soir? Si, mais je m'étais débrouillée pour... Ouais, mais si t'es prise, pas grave. Non, c'est Charlotte, elle est journaliste, elle veut m'aider pour la course, le Trophée Charcot. Bonjour. Bonjour. Bon, je crois que je ferais mieux d'y aller. Mais attends, qu'est-ce que t'as à la fin? Oh! Rien. Je veux pas que tu sois comme ça. Comment ça, comme ça? T'as juste peur de me faire du mal, mais dans le fond, tu t'en fous de moi. Tu veux ménager, alors tu me donnes rendez-vous. Oh, je comprends rien, désolé, Servan. Laisse tomber, y a rien à comprendre, de toute façon. Bon, on se voit tout à l'heure, tu me diras tout. Servan! À ce soir, 6h. Excuse-moi. C'est ta copine? Quelque chose comme ça, ouais. Elle est jolie, hein? Petit chaperon rouge. T'es pas à l'école à cette heure-ci? Croire que non. Et t'as pas peur des grands méchants loups? Pas de toi en tout cas. Comment tu t'appelles? Servan. Moi, je suis Ivan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la gueule? Elle te plaît pas, ma patte folle? Les mecs, devant les nanas, ils font les beaux. Ben moi, je montre mes cicatrices. Triple fracture de la jambe, le bassin en miettes, traumatisme crânien, 50% de perte de la mobilité. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je sais pas, je suis pas toubib. Remarque, j'aurais pu me faire ça connement en moto, comme certains. Mais non. Accident du travail. Rente à vie. Je passe mon temps à me balader. J'ai fait le tour du monde. Pourquoi tu me racontes tout ça? J'avais l'impression que c'est ce que t'avais envie d'entendre. Je sais pas. Servan! Dis-moi. Salut, Joël. Salut. Elle est pas là, maman? Elle est sortie. Bon, je dérange. Bon, bah, de toute façon, j'allais y aller, hein. Alors... Toujours un peu de peine à la remettre dans le cuir du porte-clodo là. Et on rentre la papade. Voilà. Tu viens mardi? Ben oui, j'essaierai.
Qu'est-ce que tu peux bien lui trouver à ce mec? Il me fait rire. Et en plus, il est gentil. Un type qui passe sa vie à ramasser des moules, franchement. Non, pas des moules, des huîtres. C'est pareil. L'air complètement abruti. Ah ouais, tu sais où il était il y a 6 mois alors que toi, t'as jamais mis les pieds de ton patelin? Il était dans le désert de Gobi. T'es amoureuse? En fait, Thierry a appelé tout à l'heure, ça avait l'air d'être urgent. Ouais? Moi, qu'est-ce que tu voulais me dire comme truc tout à l'heure? Non, non, c'est à propos de Servane, je sais pas, tu l'as vu récemment, elle a des ennuis? Tiens, t'intéresses aux autres, toi, maintenant. Grande première. Allô? Ouais? Ouais, c'est moi. Quoi? 35 pieds. 2m10 de tirando. Beau voile de quille. Pilote automatique. 200 mètres carrés de voile reportant. GPS, traceur de carte. Il a fait 2 fois 2e dans le Tour de France. Son propriétaire voulait être premier. Il a accusé le bateau, alors il le vend. Il est superbe. Il est superbe. Je savais qu'il plairait. Le proprio serait d'accord pour nous faire à un prix intéressant. C'est bien gentil, mais pour l'instant, on n'a pas une thune. 380 000, si on négocie bien. Il n'y a plus qu'à trouver 38 sponsors. On en a déjà un. Ah bon? Et qui ça? La fille de l'autre jour, la journaliste, Charlotte. Ah oui. Bah, tu perds pas ton temps, toi. Arrête, tu veux juste me présenter son père, un homme d'affaires qui veut investir. Oui, bah si le papa veut pas de toi, tu pourras toujours te consoler avec sa descendance. Je connais ça, ça m'arrive tout le temps. Non mais laissez, je vais le faire, Madame Caribon. Ça n'a pas l'air d'aller très bien. Si, si, ça va. Allez, venez, je vous emmène boire un café. Ah, te voilà, je suis cherchée partout. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est pas une horreur, c'est très beau. C'est un homard. Je le vois bien que c'est un homard. Je vois pas ce qui est drôle. Elle se passionne pour le métier, ça lui fera très plaisir. C'est un très beau cadeau. Mais oui, mon amour, bien sûr. C'est juste que c'est un cadeau un peu inhabituel pour une fille. Qu'est-ce que t'aurais voulu que je lui offre d'autre? Ne t'en fais pas, ça va lui faire très plaisir ton cadeau. Avoue que ça t'étonne que je me sois souvenu de son anniversaire. Tu sais, j'ai rencontré Armel tout à l'heure. Elle s'est fait beaucoup de soucis pour Colinet. Il paraît qu'il va très mal. Tu ne peux pas l'embaucher sur l'un de tes bateaux? Il voudra jamais. Et pourquoi? Il est loin de la retraite, il a besoin de travailler, c'est un excellent marin, tu le sais bien. Je sais, mais j'ai vraiment plus les moyens d'embaucher quelqu'un. Non, tout ce que je peux faire, c'est le prendre en remplacement de Didier Fousse. Il s'est cassé la jambe. Mais ce serait que du provisoire. Fais-le, je t'en prie. Tu te souviens, il y a même pas 20 ans, tous ces bateaux de pêche qui partaient en mer. Ouais, il faudra sans doute changer les voiles, revoir l'accastillage. Moi, il y a juste un truc qui me chiffonne. C'est son nom. Le Nadir? Bah, c'est très joli. Ouais, mais le Nadir, c'est le contraire du Zénith. Ça sent un peu la cata. Ah ouais, mais pour réussir, faut pas avoir peur des catastrophes. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fout, là? Hé, hey, je t'ai attendu l'autre jour. Pourquoi t'es pas venu? Je suis désolée, j'ai pas pu. Je peux t'amener quelque part? Non, c'est bon, j'y vais à pied. Et tu vas où? Il y a rien par là. C'est un raccourci, je vais voir un copain. Habillé comme ça? Et alors? Lâche-moi! Mais lâche-moi! Si tu veux jouer dans la cour des grands, c'est pas comme ça que possible. Mais lâche-moi, merde! Qu'est-ce que je veux? C'est pas mon grand frère d'abord! Ouvre-moi! Ouvre-moi, bordel! C'est chez moi! Ouvre-moi, je te force, je fais scandale! Oh! Mais ouvre-moi! Je t'avais dit de me laisser descendre avant.
Non, ouvre maintenant. Ouvre. C'est ma maison. Hé, c'est ma maison. Ouvre-moi. Allez, papa, aide-moi. Papa. Caribon, mais qu'est-ce qu'il fout là? Je vous bats toi chez moi. C'est pas de notre monde, c'est le camp. Arrête. C'est pas de notre monde, casse-toi, je vais te puter, moi. C'est les gros qui nous ruinent, c'est de la faute à ton père, ça. Fous le camp. Arrête. Je fréquente. Viens avec moi. Arrête. Dans cette tenue là. Arrête. Je vais les tuer, moi. Tu bouges pas, je vais chercher les clés du garage. Tu bouges pas, hein. Non. Kervan. Pourquoi tu te mêles toujours de mes affaires? Tu peux pas me laisser tranquille, non? Maman, ouvre chez moi. Ouvre! Maman! Ouvre à ta fille, Armel. Maman, ouvre! Joyeux anniversaire! Voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci. Oh, c'est très beau. Ah, j'ai demandé ce qui se faisait de mieux. Ah, fallait pas. Merci. Oh, merci, mes amis, des cadeaux. Des cadeaux. Tiens, tu nous prends 5 châteaulonnais et puis 5... Clairières. Le 87, alors. Ça nous rappellera des souvenirs. Je vois pas. Ta première cuite, tu te souviens pas? Elle était beurrée, comme des petits lus. Beurré, comme les petits. Ah, hein? Non, rien, rien, ça me fait marrer de t'entendre parler comme ça, c'est tout. Je suis encore dans le coup, qu'est-ce que tu crois? Si t'étais dans le coup, je pense pas que c'est ça que tu dirais. Ah, qu'est-ce que je devrais dire? Qu'est-ce que c'est? Oh. Une bricole. C'est rien du tout. Magnifique. C'est quoi ce truc? Je crois que c'est un homard. Attends, tu veux qu'elle fasse des cauchemars, là? Et t'as apporté la mayonnaise avec, non? Hein? T'as vu, c'est drôle, hein? C'est Benoît qui a eu cette idée? Devine l'homme qui m'aime le plus au monde, par toi. Quoi, Benoît, elle t'aime? La preuve, il a eu la même idée de cadeau que toi. Il l'a fait chez lui-même, aux Antilles. Une langouste à la limite, mais un homard, non. Joyeux anniversaire. Oh, merci, c'est gentil. Ça va? Enlève ta veste. Non, je suis désolée, je peux pas rester, j'ai une autre fête. Ah bon? Ouais, alors... Déjà, mais c'est complètement idiot, tu restes. Non, j'y vais, je suis en retard. Bon, bon, merci, au revoir. Ciao. Attends une seconde. Tu restes pas? Non, j'ai une autre fête. Quoi, une autre fête? Oh! Mais qu'est-ce que tu crois? J'ai pas que vous comme ami. Reste un peu, j'ai envie que tu sois là. Dommage, j'ai un copain qui m'attend, il va finir par prendre racine. C'est qui ce copain? T'arrêtes un peu ton manège, là, on peut se voir sans s'engueuler, non? Mais où t'as vu la guerre? C'est toi qui gueule, moi j'ai rien dit. Si tu fais ça pour me faire chier, c'est vraiment nul. Laisse-moi tranquille. On peut rester amis, non? Non! Eh ben, va te faire foutre. T'as des ennuis, ma puce? Non, c'est rien. Je veux rien te voir à ces gens-là. Mais il n'est pas question de leur devoir quoi que ce soit. Il a besoin d'un remplaçant, c'est tout.
Ils cherchent quelqu'un d'autre parce que je serais pas leur larbin. Tu préfères finir comme une épave? Parce que c'est ça qui te pend au nez. Dès que t'as une occasion de t'en sortir, tu craches dessus. Je ferais n'importe quel boulot, mais pas celui-là. Et qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Tu me causes pas comme ça, dis donc. Qui c'est qui a été mendié au Cariban? Mais j'ai rien mendié du tout, hein. Ah, te voilà ma puce. C'était bien la fête d'anniversaire de Marie-Annick? J'en sais rien, je suis pas restée. Mais où t'as été, alors? Pourquoi t'es pas restée? Je les aime pas, ces gens, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Rien, je les aime pas, j'ai le droit, non? Qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup? Je comprends plus rien. Elle était si gentille avant. Mais toi, qu'est-ce que t'as braqué dès qu'on te tend la main? Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as à la fin contre ta bonne étoile? Tu veux pas me dire à moi où t'étais? Avec des gens. Mais des gens comment? Des gens. Mais dans la vie, il faut pas avoir honte de soi. T'es quelqu'un de très bien, ma fille. Personne n'a le droit de te prendre de haut. Tu parles. Pour rien attendre des autres. Juste faire son chemin, seul, sans rien demander. Moi, je sais bien la réputation que j'ai. Je bois un peu trop. Il paraît, ouais. Mais je me fous de ce que les autres pensent. La seule chose dont je me fous pas, c'est de toi. Alors je veux pas que t'aies honte de moi. Mais j'ai pas honte de toi. Moi, qui c'est qui a intrigué pour m'avoir le boulot chez Jaouen? C'est ta mère ou toi? Tu sais que je l'aime pas, cet homme-là. Quoi ça? Ficelle, ma fille. Bon, j'ai pas d'autre chance de retravailler, alors je vais l'accepter. Je te demande rien. Toi, je veux que t'ailles droit. Très heureux que vous veniez travailler avec nous. Vous connaissez Joël? Luc, mon assistant. Bonjour. Et le capitaine Corfouette. Bonjour. Qui commande le Marsouin sur lequel vous allez embarquer. Mais on a eu des avaries. Il reprendra la mer quand? Pas avant un mois. Comme ça, vous pourrez vous familiariser avec le bateau et l'équipage. Le mieux, c'est que vous veniez tout de suite. Je vais vous présenter. Je sais pas si c'était une très bonne idée de l'embaucher. Un alcoolique en mer, c'est toujours des problèmes. Mais un type comme lui, ça pose jamais de problème en mer. Qu'est-ce que t'en sais? Et toi, t'as jamais fichu les pieds sur un bateau? Au large, ça a rien à voir. La vie n'est plus la même, les hommes non plus. Mais les chiffres, si. Tu nous emmerdes avec tes chiffres. C'est un excellent bateau. 12,50 m, ma profilée, qui en plomb. Bon, en modernisant un peu le gréement et la voilure, j'en ferai une merveille. Un vrai compétiteur. Tenez, regardez là, vous avez les dessins d'un nouveau génois. Je n'y connais rien à tout ça. Mais ce que je sais, c'est que dans une course, il y a le bateau. Mais c'est surtout le barreur qui compte, non? Ouais, bah de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Vous êtes bien sûr de vous? Si j'étais pas, vous me feriez pas confiance. Ma fille ne tarit pas d'éloges sur vous. À l'entendre, vous êtes le nouveau Tabarly. Et elle n'est pas du genre à se faire avoir. Ouais, ça je sais, ouais. Votre dossier est bien ficelé.
Si je participe à votre financement à hauteur de 180 000 francs, ça vous va? C'est génial. Tu te rends compte? Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me fait confiance. Il met du fric sur moi, pas des paroles en l'air, du fric. Je parle jamais en l'air. Je peux sûrement demander des subventions à la mairie, au conseil régional. Il suffit d'encore un ou deux sponsors. Pourquoi tu ne demandes pas à ton père? C'est même pas la peine d'y penser. Mais puisque c'est ta passion! Justement, on a droit qu'à une seule passion chez les Caribans, c'est la pêche au large. T'as déjà fait l'amour dans une coccinelle jaune? Non. Tu vas adorer. C'est possible, ouais. Je rêve. Tu l'as donné. J'en voulais plus de ce bateau. Écoute, il nous manque encore 270 000 balles. Tu situes? Et l'architecte qui commence les modifs demain. Ah bah, qui commence? On verra bien. Et le bateau est même pas à nous! Thierry, tu me fatigues. Ouais. Et toi, tu me fais peur. Regarde. Encore pas mal de réglages à faire, mais j'en suis hyper contente. Et toi, t'as trouvé un bateau? Ouais. Génial. Trophée sans toi, ce serait pas pareil. T'as qui comme sponsor? L'IPEC. En fait, c'est mon père qui s'occupe de tout. Il m'a dit navigue, on s'occupe du reste. Il est cool, ton père. Alors, côté dépenses, il y a le bateau, c'est en mise à flot, des modifications pour qu'il soit à l'âge de CHS, un nouveau SPI. Et l'inscription pour la course. Ouais, bah ça fait à peu près 480 000 en tout. Sans compter l'assurance. Ouais, bah ça, on s'en passera. Si on a un pépin, on pourra rembourser personne. On peut avoir de pépin, c'est tout. Alors ajoute des frais de tiers à 5 points. 70 francs de bougie, ça te va? Ça me va. Côté recettes, je vais taper dans l'amicale de la fac de médecine. Je suis le président après tout. Et la mairie? J'ai fait chou blanc. Ah, si vous étiez venu avant, nous avons déjà dépensé tous les crédits pour cette année. Et devine pour qui? Patricia Guivic. Alors qu'elle est même pas de Saint-Malo. Qu'est-ce que tu veux, c'est une star? Ça va? Ouais, ouais.
Ouais, très bien. Qu'est-ce qui te prend? Tu viens pas avec moi? Non, je vais rentrer, il faut que je bosse. Écoute, Servan, ne te fous pas de ma gueule, parce que je le prendrai mal et ça me plaît pas du tout. Je me fous pas de toi, j'ai juste besoin d'être seule. C'est tout. Je te dérange? Oh, pas du tout, qu'est-ce qui t'amène? Bah voilà, à vrai dire, j'aurais besoin d'un sérieux coup de main. Bah dis toujours, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah voilà, je suis en train d'acheter un bateau, une pure merveille. Avec, je suis à peu près sûr de gagner le trophée. Je te le souhaite. Je t'ai vu l'autre jour, tu m'as bluffé. Merci. Non seulement, le problème, c'est que le bateau que je suis en train d'acheter, va falloir refaire le gréement, et ça, malheureusement, ça coûte la peau des fesses. Bah, j'imagine, ouais. Il te faudrait combien? 3 000, 5 000? Je peux te les avancer. 70 000, ce serait déjà pas mal. Quoi? Mais je te les rembourserai avec intérêt. Mais 70 000, désolé, moi je les sais pas. Même la moitié? Mais ouais, même la moitié. Ah merde. Marie-Annick m'avait dit que ça marchait bien ton affaire. C'est Marie-Annick qui t'a dit de venir me voir? En fait, ouais. 70 000, c'est pas rien, quoi. Bon. Bon, écoute, laisse-moi 2-3 jours que je réfléchisse. Je vais voir ce que je peux faire. Mais... $5 000 il m'a proposé. Tu te demandes où il sort, celui-là. Mais attends, il t'a dit qu'il allait réfléchir. Tu parles, c'est un gland, ce mec. Une moule! Je t'ai apporté ça aussi, je parie que tu ne te nourris même pas convenablement. Mais si, ça va, ça va. Tu ne vas quand même pas rester là cet hiver, il n'y a même pas de chauffage ici. Mais arrête de t'inquiéter, je vais très bien. Ton maudit bateau qui engloutit tout l'argent que tu gagnes, c'est ça? Il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie, tu comprends? J'étouffe à terre, j'implose. Il y a quand je suis à la barque, j'ai l'impression d'exister. Je suis comme ça, j'y peux rien. C'est un loisir, Joël, c'est pas un métier. Curé non plus, c'est pas un métier. Alors, je ne vois vraiment pas le rapport. Mais si. Si, c'est une question de foi, d'être prêt à tout sacrifier pour ça. Ta passion coûte plus cher que de rentrer dans les ordres, avoue. T'aurais préféré que je devienne curé? Ou pape? Pape, tu vois comment tu es. Tout de suite la folie des grandeurs. Mais là, au moins, papa, il aurait rien à dire. Je l'aurais reçu au Vatican, dans ma suite royale. Non, pardon, pontificale. Arrête, Joël. Tu n'es pas drôle du tout, là. Ah, bon. Tu t'obstines à ne pas vouloir comprendre. C'est un marin, ton père. Comment veux-tu qu'il admette qu'on prenne des risques en mer pour son plaisir? Il en a connu tant qu'ils sont partis pour ne jamais revenir, alors que la mer, c'était leur gagne-pain. Et moi aussi, en remportant des trophées, ça peut devenir mon gagne-pain. Il a besoin d'une preuve d'amour. C'est aussi bête que ça. Il en a autant besoin que de vivre sa jeunesse. C'est important de la vivre, sa jeunesse. Ça se peut, j'en sais rien. Enfin, Jaouel. Non, j'en sais rien. Moi, à son âge, on m'a pas donné d'argent, on m'a donné un fusil. Et on m'a expédié en Algérie. D'accord. Mais est-ce que c'est une raison? C'est une raison pour ne pas savoir ce que signifie vivre sa jeunesse. Où vas-tu? $100 000. Ça ira comme preuve d'amour. En plus, ils sont pas dupes. Ils savent très bien qu'un bateau, ça se revend. Et s'il gagne, il sera revendu avec profit. C'est une vraie phrase à faire, toi. C'est mon père, ça. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Bonjour. Bonjour. Charlotte, une amie de Marianne qui est journaliste. Journaliste? T'as quelque chose contre les journalistes? Non, non, rien du tout. Alors, c'est ça ton nouveau jouet? Qu'est-ce que t'es venu faire ici, au juste? Regardez. Regardez quoi? Mon nouveau joujou?
J'étais en train d'expliquer à votre fils que les chefs d'entreprise qui misent sur des bateaux de course le font pas à fond perdu. Ils comptent évidemment sur des retombées en termes d'image. En termes d'image, fallait y penser. En termes de vent, quoi. Mais c'est pas du vent. Le bateau sera revendu. Et s'il gagne, il sera revendu avec profit. Cette demoiselle cherche à me dire quoi, au juste? Qu'il faut risquer l'argent de ses actionnaires sur une opération hasardeuse? Il y a des risques, c'est vrai. Mais c'est des risques calculés. À part quelques stars de la course au large, il y en a combien qui font faillite? Dites-moi, vous n'avez pas plus confiance que ça en votre fils? En tout cas, j'ai pas confiance en des gamines qui se prétendent journalistes. Attends, mais de quel droit tu parles comme ça de Charlotte? Mais c'est pas moi qui lui ai parlé. C'est elle qui est venue me chercher avec son dépliant publicitaire. Attends, mais c'est du délire, ça. Laisse. Mais j'ai jamais vu un plan pareil, hein. Quel plan? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu débarques ici sans que personne t'ait rien demandé, tu tournes autour de mon bateau à le flairer comme si c'était de la merde, et après... Il me semble que c'est toi qui délire. Oh, il est très fort pour retourner les situations à son avantage, c'est sa spécialité, même. Je crois que c'est même pas la peine de discuter. Parce que t'appelles ça discuter, toi? Vaut mieux que je m'en aille. Je te laisse à ta journaliste. Elle me paraît tout à fait indiquée pour trouver des pigeons qui financeront ton bateau. Ouais, c'est ça, il vaut mieux que tu t'en ailles. J'ai d'ailleurs toujours pas compris pourquoi t'étais venu. Moi non plus. Ça t'a jamais traversé l'esprit que les pigeons en question, c'était des parents normaux qui filent un coup de main à leurs enfants? Hein? Comme le père de Patricia, par exemple. J'ai changé d'avis. Salut, patron. Salut. Alors, c'est le grand jour? Oui, je pars avec la marée, là. Tournée générale. Qu'est-ce que tu prends? Grenadine à l'eau. Ouais, c'est sacré, ça. Hein? Mais il est grand temps de partir, parce que poncer, graisser le rafio, j'en ai ras le bol, j'ai besoin de le sentir danser sous le pied. Regardez-moi ce pistolet. Ah ça, tu peux être alcoolo grave, suffit d'être bien avec Caribant, on me trouve tout de suite un embarquement. Et pendant ce temps-là, moi, chôme du. Laisse tomber, Fred, c'est pareil dans mon boulot. Il y en a que pour les cirepompes, tu sais bien. Ouais, ben ça me fout la gerbe. Faut que j'arrive. Salut, Collinet. Salut. Pas de mal. Regardez-le, il tient une de ses cuisses. Qu'est-ce que t'as, le poivreau? Je crois qu'il est encore bourré. Garde-le-moi ici un moment. Gardez-le là. Où tu vas? Je vous donnerai des nouvelles. Il viendra pas. Il est bourré. Ah.
un nom d'un chien. Bon, allons le chercher. Non, non, pas question. J'étais sûr qu'il poserait des problèmes. Je vais le virer et vite fait. Ah, mais si vous avez besoin de quelqu'un, je peux partir tout de suite. Tu es Frédéric Le Ganec, c'est ça? Oui. Je suis déjà venu pour un embarquement, mais vous m'avez pas pris. Bon, ben cette fois, on me prend. Allez. Remercier. Ramène-nous un trophée, ça sera bien. Bah, tu fais ça pour Marie-Annick. T'es amoureux d'elle, c'est ça? Je te préviens, je peux rien te promettre de ce côté-là. Hein. C'est bon, j'attends rien. Ça te gêne pas que ce soit du liquide, c'est plus simple pour la comptabilité. Bien sûr que non, t'es fou. Est-ce que vous manigancez? Benoît veut bien m'avancer un peu d'argent pour le navire. Quoi? T'es vraiment gonflé. Jusqu'où tu iras pour acheter ce bateau? Mais c'est entre Benoît et moi, ça te regarde pas. Il peut pas dire non, tu sais très bien, c'est vraiment dégueulasse. Il commence à peine à monter son affaire et toi tu le taxes de combien d'ailleurs? Bon, tu déconnes là, hein? Mais il y a combien de fric là-dedans? Je pensais que t'étais au courant. Tu t'as dit ça? Bon, je voulais t'en parler, j'ai pas eu le temps. Je te jure, je suis vraiment pour rien, je te demanderai jamais un truc pareil, c'est ignoble. Qu'est-ce qu'il y a d'ignoble si je veux aider ton frère? C'est pas pour lui que tu le fais, tu sais très bien. Peut-être, et alors? Si j'ai envie de lui rendre service pour te faire plaisir, c'est mon droit, non? Si même je voulais te donner tout ce que je possède, tout ce qui existe sur la terre et dans le ciel. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ressemble à une déclaration d'amour. C'est con, excuse-moi. Ah, mais enfin, Benoît, on se connaît depuis la maternelle. Mais depuis la maternelle, je t'aime. Comme un fou. C'est malin, vraiment, c'est malin. Bah alors, c'est trop tard, mon vieux. Pourquoi ils m'ont pas attendu? Si on commence à attendre tout le monde, on n'a pas fini. Mais je me suis fait agresser par des voyous qui m'ont piqué ma mobilette. Ah bon? Y a qu'à vous que ça arrive, ce genre de choses, hein? Ben, vous ne croyez pas? Dites-leur de revenir. Sûrement, oui, oui. Vous passerez demain à la comptabilité pour votre règlement. Vous êtes licencié, Collinet. Je sais pas encore. Si tu te décides pas vite, il sera trop tard. Tu pars toujours demain matin? Bah ouais. Tu peux pas attendre encore quelques jours? Faut faire ce qu'on a envie, Servan. Mais qu'est-ce que je ferais là-bas? Un malheur. Rien que ça. Tu pourrais te faire un max de blé. Je connais un mec, il est photographe. Il te file 3000 balles pour une après-midi de pause. Là-bas, les gens, ils sont bourrés de thunes. Pour eux, 1000 balles, c'est rien. Tu peux pas imaginer. Ils te les filent sans y penser. Tu vas quand même pas me dire que t'es venu jusqu'ici rien que pour me dire au revoir. Si? Non. Mais ça va pas, non? T'es taré, qu'est-ce qui te prend? Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Je t'ai fait mal? T'es complètement barge comme gonzesse, toi. T'as du bol d'être jolie, va, sinon... Sinon quoi? Ce soir, on va chez Tania, je t'y attendrai. Si tu viens, c'est que t'es OK pour partir avec moi. D'accord? Et n'oublie pas, ta petite gueule, elle vaut de l'or. Ça va pas? Ça pourrait aller mieux. T'as des ennuis? Il manque encore pas mal de fric pour le bateau et si j'en trouve pas très vite, la cour, j'ai plus qu'à l'oublier. Si c'est ça, je vais te dire. Je me tire d'ici. Moi aussi, j'ai un projet pour partir. Où?
Sur la Côte d'Azur. J'ai un copain qui propose de m'emmener. C'est qui? C'est le mec à la moto? Ouais. Il a un plan pour me faire faire des photos. Mais c'est des photos de cul, sûrement! T'es malade? Sinon, je m'en fous. J'en ai marre d'ici. Y a pas de place pour moi dans ce bled. Y a pas de place pour moi non plus. Alors, on est bien tous les deux. On a tout faux. Mais on est bien. On est bien. Joël? Ouais. Joël, j'ai une super nouvelle. Le patron... Bonjour. Le patron de mon journal est prêt à t'aider. Non, de combien? Ce qui manque, 100 000, peut-être plus, tu le rencontres demain. Ça va marcher, j'en suis sûre. Et Servane, tu restes pas? Non, c'est bon, j'ai mes parents qui m'attendent. Tu peux pas savoir comme je suis contente. Non, je joue pas. Mais allez, vas-y. Oh. Non, non, je joue plus. Allez, j'ai la faim, moi, qui te tenaille. Allez, mets-toi, allonge la monnaie, là. Salut, Colinette. Allez, salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas être en mer aujourd'hui? Mais si, je devrais, mais... C'est tous des enfoirés, tu sais. T'as encore bu? Eh non, j'ai rien bu, je te jure. J'arrive même plus à pisser. Ça fait combien de putains de semaines que j'ai pas pris une goutte? Qu'est-ce que t'as, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis fait agresser, ils m'ont piqué la meuble. Et puis après, ils m'ont tabassé. Qui? Qui, ça? Les jeunes du port, là, hier, devant le bar. Mais qu'est-ce que tu foutais devant le bar avant de partir? Dis donc, je suis pas ton fils, hein. Bon. Un coup avec des copains, parce que quand on prend la mer, on boit un coup, on dit au revoir. Mais elle est là, ta mobilette, papa, qu'est-ce que tu me racontes? Non, elle est pas là. Elle est là, non, c'est quoi ça? Ben, parce qu'ils m'ont rendu après! Ils m'ont rendu après! Pendant que l'autre petit con m'a piqué la place. Voilà. Mais ça tient pas debout, ton histoire. Tu m'avais dit de marcher droit, on avait un pacte, tous les deux. Servane, je te jure que j'ai tenu promesse. Ah ouais, ça t'a tenu promesse. Regarde-toi. Écoute-moi, si tu me crois pas, toi, alors moi je suis foutu. J'ai plus qu'à me foutre à la main, hein. Mais moi, qui m'écoute, hein, qui m'écoute, qui va m'écouter, moi? T'es qu'un menteur. T'es qu'un menteur. Quoi? J'ai plus de vie. Vous êtes tous des menteurs. Servane. Servane. Servane, je sais pas où aller, pourquoi? Elle est où, Servane? J'en sais rien. Je me dis où aller, vite! Ah, ça va pas, non, j'en sais rien, je te dis. On était ensemble à la fête chez Tania. Elle a bu comme un trou, elle a fouillé dans la pharmacie, puis après elle s'est tirée. Seule? Je sais pas, moi, je suis pas sa nourrice. Elle a seulement dit qu'elle avait rendez-vous à 3h12. Pas à 5, à 12. 3h12. Où ça, avec qui? Je sais pas. Peut-être avec toi, pauvre pomme. T'as plus qu'à te farcir la tournée des boîtes de nuit. Avec un peu de chance, tu seras à l'heure au rendez-vous. Joël, c'est comme ça que tu t'entraînes pour le trophée? Et toi, qu'est-ce que tu fous là, cherche Servane? Servane, pourquoi? Elle est pas rentrée chez elle, il paraît qu'elle a bouffé des médicaments, personne sait où elle est. Attends, t'affole pas, les médicaments, c'est pas forcément grave tant qu'on les mélange pas à l'alcool. Mais justement, on en a vu de l'alcool. Faut que je la retrouve. Joël, attends! Attends! Écoute, on se retrouve demain, ici, même heure, d'accord? Ça compte là-dessus, hein. Si t'as aucune idée d'où elle peut être, on la trouvera jamais. Elle a parlé d'un rendez-vous à 3h12, c'est tout ce qu'on sait. 3h12? Un train. La gare. Ah, y a pas de train la nuit. Oh, joli vent pour négocier la passe. Quelle caille, hein. Bah vas-y, rentre au chaud. Sois pas
pas con. De toute façon, si on veut se donner des chances de la retrouver, c'est plus malin de chercher chacun de son côté. Ok, bah je vais par là. La marée monte. Dans une heure, ce sera bon pour passer ses ambres. La marée. Servan! Oh! Oh! Servan! Allez, réveille-toi! Hé! Hey, qu'est-ce que tu fous là, putain? Qu'est-ce que tu fous là, hein? Allez, la marée monte, là, il faut se tirer d'ici, vite! Allez! Vas-y! Vas-y! Là où on devrait pas être! Allez, moi, Servan, tu fais un écran! Vas-y! Fais plus jamais ça, plus jamais! T'as voulu partir avec la marée comme les petites sirènes, c'est ça? Hein? C'était ça ton rendez-vous à 3h12? Ça existe pas, les sirènes. C'est des histoires pour petites filles qui veulent pas croire qu'on les aime. Espèce de folle, va. Je le ferai plus, je te le jure. J'ai une idée. Je vais attendre qu'il dorme, je fais le mur et je viens te rejoindre à la voilerie. Tu crois pas que t'as fait assez de conneries pour ce soir? Tu veux pas? Pas ce soir. Plus tard, quand... quand ce sera pour la vie. Rentre chez toi, tu vas te choper la crève. Bonjour. Salut. Le patron du journal nous attend dans une heure. T'as pas oublié, quand même? Oublié? Le rendez-vous de la dernière chance, non, tu rigoles. Voilà, je suis prêt. Comment tu me trouves? Parfait. T'as peut-être les yeux un peu cernés ce matin. Ouais, ouais, j'ai pas dormi la nuit. Le bateau, la course, ce rendez-vous, ça m'a mis les nerfs en boule. On y va? Voilà, le bateau est prêt, la course est dans 3 jours. Il nous manque juste ces 200 000 francs pour le débloquer. 200 000 francs? Charlotte ne m'avait pas parlé d'une somme aussi importante.
croyais... Je sais, mais on a eu une difficulté de dernière minute. Remarquez, ça fait pas une si grosse différence. Une bricole, c'est pratiquement le double. Beaucoup de gens ont déjà investi dans ce bateau, ça sert à rien si on n'a pas cette dernière somme. Vous pouvez toujours les rembourser. Bah non, j'ai déjà engagé une grande partie de l'argent pour participer à la course, moderniser le bateau. Sans l'avoir acheté. Oui. Désolé, ce sera sans moi. Pour cette course, c'est loupé, mais il y en aura d'autres. Mais non, il n'y en aura pas d'autres. Si on ne me voit pas dans cette course-là, je ne pourrai jamais participer à une transat, jamais, tu comprends ça? On recommencera, il nous faut du temps, c'est tout. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Alors Joël, ne me raconte pas de conneries, qu'est-ce qu'il y a? Je préfère qu'on se voit pas pendant quelques temps. Mais qu'est-ce qui te prend? Bon, je voulais t'en parler plus tard, mais autant te le dire maintenant. Bon, ça va, j'ai compris. Tant que je sers à quelque chose, c'est je t'aime, petite Charlotte. Mais si ça foire... Non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un d'autre. T'as trouvé une autre pomme pour t'aider? Mais je te souhaite bien du plaisir. Arrête, le prends pas comme ça. Attends, je le prends comme je veux. Tu t'es bien servi de moi, hein, chapeau. Mais le jour où t'as plus besoin des autres, ils existent plus pour toi. C'est basta, allez, dégage. La seule chose qui t'intéresse, c'est ta petite gueule, ta voile, ta course. Tu ferais n'importe quoi pour ça. Tu veux que je te dise, j'espère que tu vas te planter. Joyeux anniversaire, Véronique. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Vraiment? Ah, mais je croyais que c'était à cette date-là qu'on avait fêté vos 30 ans l'année dernière. Ça fait longtemps que je n'ai plus 30 ans. Oh, ah bah ça se voit pas, je vous jure. Qu'est-ce que vous cherchez? Les chéquiers. C'est pour mon père, il m'a chargé de régler du matériel. Il aurait dû me le dire. Laissez, je vais m'en occuper. Non, vous allez abîmer votre vernis. Laissez, je vais les trouver. Bon, ben voilà. Bonne journée, Véronique. Tu viens respirer le bon air des bureaux? Ouais, ça me manquait. Voilà la première échéance, 10% de la somme globale. Et le reste? Bah, ça va pas tarder. J'avais pas de nouvelles, alors je suis venue te voir. Je suis désolé, j'ai pas arrêté ces derniers jours. Bah ça y est, j'ai trouvé le fric pour le Nadir. C'est pas vrai? Comment t'as fait? Bah, j'ai fini par convaincre mon père. Tu vois qu'il est pas si méchant. C'est pas une preuve d'amour, ça? Il m'a pas donné le fric. Tu viens juste de me dire? Il m'a pas donné, je lui ai piqué. Quoi? Je lui ai volé, j'ai signé un chèque à leur demande. Tu me trouves dégueulasse? Bah non, puisque tu vas le rembourser. Si je peux pas. Moi, je t'aimerais toujours.
gagner, j'en suis sûre, il n'a pas le choix. Repartagez-le, board, board. C'est au max. Putain, il regarde là. Vas-y, va monter ton génois là. Vite, vite, vite. Vous savez ce que c'est que ce chèque qui n'est pas marqué ? Le chèque qui n'est pas marqué. Regardez. C'est sûrement M. Joël. Il m'a dit que son père allait payer un fournisseur. J'ai laissé faire, comme il a l'habitude. Monsieur Gérard, bonjour, Luc Dalmont de la société Cariban. Oui, je vous appelle à propos d'un chèque. Je voudrais savoir s'il vous a été présenté et pour quel montant. Quand tu veux. Quand tu veux. Bon, je vais bientôt virer. Ok, quand tu veux, je suis prêt. Ok. 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 Choc, choc. Choc, choc. Ok, c'est bien, c'est bien. Voir. Allez, on va les avoir, là. Prêt, envoyez le spi. Vas-y, envoie! Fille en tête! Gonfle-toi, gonfle-toi! Allez, gonfle-toi! Regarde ton spi, regarde! C'est bon, je suis au max! Fais gaffe à ta GV quand même! Thierry, reprends du barbeur sous le vent! Ça y est, c'est pris! Elle regagne. On en panne ! Choc un peu de halba de tango ! Ils reprennent, vas-y ! À la limite, tu vois, c'est choc ! Je suis limite ! Dégueulasse! La femme me fait pas chier, ok? On est mal, putain. C'est pour la troisième place.
dernier, c'est pas la troisième place, c'est premier où je suis mort, ok? J'en suis sûre. T'es complètement cinglé, on va droit sur les rochers! Joël, bordel, qu'est-ce que tu fais? On va se fracasser dessus! Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Mais t'es cinglé, toutes les têtes sont à fleur d'eau, ça passera pas! C'est de la folie, c'est marée descendante! Nicolas, va faire chuter le bateau sur bâbord! C'est clair, on passera pas! On va qu'à aborder tes voiles pour faire chuter! Ok, c'est bien, bord! Bord, bord, bord! Mais merde, il va couler! Laissez-moi passer! Ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Borde un peu, Thierry, borde. Passe. Il passe, il va passer. Thierry, va me guider à l'avant. Oh, ça va pas, on va droit dessus. Mais t'es complètement cinglé! Arrête! Joël, bordel, qu'est-ce que tu fous? Merde! Mais vire, Joël! Garde, je vois les rochers là! Y'a 1m50! C'est bien passé votre réunion à Rennes? Des discours comme d'habitude. Rien de neuf? Rien de spécial. Ah, votre femme a cherché à vous joindre tout à l'heure. Il faut vous la rappeler d'urgence. Tout de même, je vais la rappeler. Ah, monsieur Carrigan, je peux vous parler un instant? C'est important. Oui. Thank you.
Thank you.